Regarde un peu ça. Attention, BD! Je sais pas quoi dire d'autre. Serré, je pensais que... Non, tu ne pensais pas. Tu as perçu une menace, et tu y as répondu. Si l'ordre s'était remué, on n'aurait pas perdu la République. L'Empire, la nuée d'action, la moitié de la galaxie souhaite notre mort. Oui. Les chances sont contre nous. Mais elles le seront toujours, quoi qu'il arrive. Cal, le combat n'est pas forcément la solution adaptée à tous tes problèmes.
Ce n'est pas le moment de se battre. Ça, c'est de la vitesse. Que ça te plaise. Ça a marché. Continuons d'avancer. La porte est bloquée.
demande si Zed a des infos là-dessus. Depuis quand il était coincé dans ce truc? On dirait que cette drôle de matière peut prendre différentes formes. Espérons que la tour au sommet du complexe nous donne des réponses. Merci pour la balade. Je ne suis pas une menace. Posez des questions, ça fait pas partie du boulot. Maintenant, concentre-toi. On a repéré un Jedi dans... On va l'attraper. C'est mon prénom, ça. Inconscient. C'est la même technologie que celle de la salle de Zed. On n'est plus très loin. Les seuls à s'intéresser à ce complexe. On a fouillé l'intégralité du complexe, BD. Voilà notre dernière étape. Si la clé de Tanalore existe, alors elle doit être là. Et sinon, c'est que Zed a vraiment pété un câble. Je dois me recentrer.
Ce sceau me paraît familier. Ça doit être là que Samtari Cree avait l'intention d'envoyer Zed. La clé de Tanalor a été cachée pendant des siècles. Ça a marché. On dirait que le complexe s'active. C'est l'heure de vérité. Bienvenue à Tanalor. C'est magnifique. Rappelle-moi de nommer moi-même le prochain monde qu'on découvre. Tu t'y habitueras. Tu ne m'aimais pas trop non plus au début. Je peux encore changer d'avis. C'est difficile de croire qu'un tel paradis se cachait juste de l'autre côté de l'abysse. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Le célèbre chevalier Jedi Dagan Gera se propose d'être mon guide dans un monde encore inconnu. Comment pourrais-je refuser ? Sans ton aide, je ne serais jamais arrivé ici en un seul morceau. Oh, fais attention. Où on pourrait croire que tu es devenu humble. La force est puissante ici. Je te l'avais dit. Nous allons construire le temple ici. Oui. C'est aussi ce que je pensais. C'est vraiment magnifique. Oui, c'est parfait. J'ai parcouru la galaxie, Santari. Et il y a de nombreux mondes que la lumière des Jedi n'atteint pas. Je vais demander au Haut Conseil d'entraîner les initiés ici. Sur Tanalor ? Mais elle est très difficile d'accès. Et s'il y avait un problème ? Notre temple sera un bastion pour l'Ordre. Ici, à la frontière galactique. L'abysse bloque les communications. Nous devrons inviter un membre du Conseil Jedi à venir en personne. Ils sont à l'intérieur depuis des heures. Les membres du Conseil ne sont pas réputés pour leur jugement hâtif. Surtout Maître Rancis. Mon duel avec le Jedi n'a pas pris si longtemps. Et pourtant, tu as gagné. Sois patient. Tu sais bien que ce n'est pas mon fort. Eh bien, tu devras apprendre si tu dois enseigner aux novices.
J'ai foi en toi. Et le conseil aussi. Aie confiance en leurs décisions. Qu'est-ce qu'il y a ? Préviens les autres. On nous attaque. Tu ne devrais pas être ici. Libère-moi. S'il te plaît. Je t'ai vu. Moi, c'est Cal. Cal Kestis. Et tu dois être Dagan Gera? Oui, c'est moi. Tu es un Jedi? Oui. Mais les choses ont changé. Depuis ton départ. Un seigneur Sith a corrompu la République. Il en a fait son empire. Ils ont détruit l'ordre. Et ils traquent ceux d'entre nous qui ont survécu. Mais... tu es libre. On peut les affronter. Ensemble. Je dois retourner à Tanalore. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as atterri ici? On nous a envahis. Je les ai retenus aussi longtemps que j'ai pu, mais... ils étaient trop nombreux. La bataille fut terrible. Mais nous n'étions pas vaincus. Pas encore. Jusqu'à ce que le Conseil Jedi donne l'ordre d'abandonner Tanalore et refuse de mener la contre-attaque. Ils ont renoncé? Oui. C'était ma découverte! Mon foyer, et ils voulaient que je fasse une croix dessus! Dagan, attends. J'ai dit non, et j'ai été trahi par celle en qui j'avais une confiance totale! Non, arrête! Qu'est-ce que t'as fait ?
Et à abandonner Tanalor. Tu ne peux pas gagner. Ce sera rapide. Tu débutes, non? C'est dérisoire. Tu es faible. Je ne retournerai jamais en prison. Pas ton ennemi. Il ne reste plus que nous. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Révis. Je me doutais que tu ne me laisserais pas partir comme ça. Attends! Clé de Tanalor. Est-ce que Kree parlait de Dagan? Comment elle aurait pu confier Tanalor à quelqu'un comme lui? Je dois me recentrer.
dois continuer, BD. Tanalore était censée nous rapprocher, mais elle n'a fait que diviser notre ordre. Le Conseil t'a peut-être abandonné, mais je sais qui tu es vraiment, Dagan. Même si tu l'as toi-même oublié. Elle avait tellement foi en lui. Au moins, elle ne l'aura pas vu tomber du côté obscur. Sympa la vue, hein, mon pote? Je me demande si Grise et Baud ont réparé le Mantis. On devrait peut-être se reconvertir en prospecteur, hein, BD?
On peut pas remonter ce cours d'eau. Pas sans aide. Tanalor existe. Et c'est peut-être le dernier recoin de cette galaxie encore à l'abri de l'Empire. J'aurais aimé que tu la vois aussi, BD. Je crois qu'on vient de trouver le moyen de sortir d'ici. Doucement. Nous ne te voulons aucun mal. Salut, toi. On descend. On vendra ça à la boutique de Doma. Maintenant. Je suis sûr qu'on peut passer ce portail avec un peu d'aide de notre nouvel ami. C'est fermé. On va aller plus vite maintenant. Super, on y va. Un char des sables. Tu sais ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des Jawas pas loin. Fais attention, d'accord? Gentil, Neko. Tout doux, Neko. Tu peux le faire. Allons faire un tour, BD. C'est parti!
En avant, BD. Saute! Allons-y. Et voilà. Ces bâtiments sont anciens, plus que tout ce qu'on a pu voir sur Kobo. Fonce, BD. Ouais.
directement de retour. Allez, BD. Rejoignons-les sur l'aire d'atterrissage. C'est vous qui avez fait ça? Attendez, c'est... Non! Viens là, BD. BD, on y va. BD. Arrête de te plaindre, Léo. Fais-moi voir ça. Ça guérira pas. Désolé, bébé. C'est pas ton jour. C'est la vie, Léo. Je préfère te savoir en paix que dans l'estomac d'une autre bête. Prêt à partir. Protocole de tir activé.
Et... Il m'en faut un. Vous êtes inefficace. Vous ne pourrez pas résister longtemps. Par ici. Merci du coup de main. Ne me tuez pas. Te tuer? Je viens de te sauver la vie, idiot. T'es qui, au fait? Je m'appelle Turken. Eh bien, si tu veux rester en vie, suis-moi. C'est le territoire des pillards, ici.